Évangile de Luc, chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Mais où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici. » Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. » Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez,
afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. Il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez, et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était assis avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et, étant sorti, il pleura amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. »